Vous cherchez le meilleur shader sur Minecraft 1.19, vous êtes sur la bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Liam, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce shader qui vous permettra d'avoir un jeu beaucoup beaucoup plus beau. Vous allez voir ça tout de suite. Donc là, le jeu il ressemble actuellement à ça, enfin voilà, un petit peu classique, vous connaissez ça, pardon la vache. Donc maintenant je le mets. Option graphique, shader, s'appelle le Complementary Shader, le voilà. Vous allez voir, ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Les nuages, le soleil comme ça, la montagne. Attendez, faut que je vous montre aussi un peu l'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Regardez, là il y a de l'eau. Voilà, l'eau elle est magnifique. Et donc à ça vous mettez un petit pack de textures, genre Faithful 32x, comme ça. Ok, ça a fini de charger. Et donc voilà le pack de textures. Bon, faites pas gaffe si les blocs sont un peu bleus comme ça, je sais pas trop pourquoi ils sont comme ça, mais ça doit être. Je sais pas si c'est le shader qui fait ça ou quoi, mais ouais, le jeu est vraiment magnifique. Donc regardez-moi ça, la montagne là avec l'eau qui coule. L'eau elle est un peu brillante comme ça. Je trouve ça très beau. Et le plus dingue avec ce shader, vous allez voir. Le plus fou, c'est ça. Quand vous allez dans une grotte, les minerais, ils brillent un petit peu. Donc là on va descendre dans la grotte et vous voyez le fer, là on le voit bien. Et de l'émeraude. Les minerais, ils brillent. C'est super bien. Et donc ça en devient même presque cheaté. Donc voilà. Donc ce shader, il faudra quand même un assez bon PC pour en profiter, bien sûr, hein. Donc je pense qu'il faudrait minimum une carte graphique GTX 1660. Peut-être avec une GTX 1650 ça passe encore, mais je conseillerais minimum une GTX 1660. Donc bien évidemment il faudra installer Optifine, hein, pour pouvoir mettre un shader, hein, parce que sinon bah ça marchera pas. Et du coup je vous mettrai un lien de téléchargement dans la description, comme ça vous pourrez le télécharger et vous pourrez bah, tout simplement profiter de ce jeu comme je l'ai actuellement. Je vous mettrai aussi le lien du pack de textures. Et donc c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Salut tout le monde, c'était Liam et je vous dis à la prochaine.